on va avoir du coup un back-end à faire avec Node.js pour créer nos API de départ. Et ensuite, on va faire le front-end avec React et on va servir des hooks, use effect, use state, etc. pour ensuite afficher le résultat de la requête sur la page. On va appeler ça du coup API React. On a ici notre projet, pour l'instant il est vide. Donc on va d'abord créer le back-end. On va créer ici un dossier, on va appeler ça comment ? Bah, serveur. Et là on va aller dedans du coup. CD, serveur. Et là on va faire donc PNPM. Bah si vous avez NPM, c'est vous enlevez juste le P. Init. Voilà, juste pour avoir ça. Et donc, maintenant, on va installer donc quelques dépendances. On va installer ouais, notre mode. Donc ça, ça va nous permettre de rafraîchir à chaque fois le serveur. Dès qu'on va faire une modification sur le back-end, il va appliquer le changement. Ça nous évite d'avoir à relancer le truc à chaque, à chaque fois qu'on rajoute quelque chose. Et puis aussi, on va installer Express. Et du coup, là-dedans, on va créer donc un fichier index.js. Ce sera la racine du back-end. C'est le fichier le plus important. Donc, on va venir chercher Express, ce qui va nous permettre donc de créer nos API. Appeler ça habituellement, ça peut être très important. Simplement, voilà, avec app, on va pouvoir créer donc nos API. On va séparer ça en plusieurs fichiers. Parce que la dernière fois, on avait fait un seul fichier, il me semble, où là-dessus, on a tous nos API, etc. Mais là, on va essayer de faire une structure un peu plus complexe. Donc, on va créer plusieurs fichiers. On va en faire un pour les routes, donc pour la destination, pour définir que à telle URL, on lance telle API. Et aussi un pour les contrôleurs, bah c'est les API en eux-mêmes, quoi, les fonctions. Voilà. Donc on va mettre route.js et on va mettre contrôleur.js. Mettre un S. Voilà. Quand on avait de l'HTML, le fichier de base qui est lu, c'est index.html. Et ensuite, c'est relié au CSS, etc. Bah là, pour le backend, c'est pareil. Le fichier qui est lu au départ, c'est index.js. C'est le seul fichier qui est lu. Mais vu qu'il va en appeler plein d'autres, qu'il va en appeler d'autres, etc., tout est relié à celui-là. C'est la racine. Donc, dans ce fichier index.js, on va appeler les routes qui vont eux-mêmes appeler les contrôleurs. Les routes, pour rappel, c'est la destination, c'est le lien, c'est l'URL. Enfin, là, ce qu'on dit, c'est que dès qu'on est à la racine, donc là, c'était localhost tout court, on va renvoyer donc à tel fichier de route. Et ensuite, là, on aura la suite des URL. Et bah, on va comprendre en faisant, mais en gros, on va faire ça étape par étape. Hein. Mais donc, il faut qu'on importe notre fichier route. Donc, const, on va appeler ça route, égale, require. Et là, donc, c'est .js. Et voilà, donc, dès qu'on est à la racine, il va ouvrir donc le fichier route. Mais pour l'instant, il ne vaut rien, vu qu'on n'a rien à l'intérieur. Donc, maintenant, on va devoir s'occuper de... Mais attendez que j'aille voir. Pour le back-end, en fait, le truc, c'est que c'est un petit peu toujours les mêmes fichiers. Une fois qu'on a compris le concept de base, après, tout le reste est un petit peu pareil. Donc, on va simplement copier-coller ça. Donc là, ce qu'on a ici, c'est qu'on importe... routeur, bah ça vient d'Express, en fait on s'en fiche un peu de ce que c'est, mais ça va nous permettre de créer donc nos destinations. Donc voilà, on appelle ça routeur, et c'est donc une méthode qui appartient à Express. Et Express, vu qu'on l'a déjà importé ici, bah on n'a pas besoin de le réimporter dans route, vu que route appartient en quelque sorte à index, vu qu'on l'appelle dans index. Et là, on va importer le contrôleur. Comme j'ai dit, on y va étape par étape. On a index.js qui importe les routes, et route qui importe le contrôleur. Donc, on va juste appeler ça contrôleur. Require. Si vous comprenez pas tout pour l'instant, c'est pas très grave. Hein. On va voir comment ça va fonctionner quand on va rajouter les API. Pour l'instant, c'est la structure de base, c'est pas très grave. C'est encore vide pour l'instant. Et là, on a nos destinations. Là, il donne l'indication. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que vous remettre router. Et là, la méthode qu'on va utiliser. Pour rappel, quand on doit juste envoyer des informations vers le côté client, c'est get. Quand on doit prendre des informations du côté client, par exemple, si l'utilisateur remplit un formulaire, on envoie ça sur le back-end, on envoie des informations, donc c'est post, etc. Mais là, on va juste faire des API simples, où on va juste envoyer des données. Donc, c'est get, donc router.get. Et ensuite, à l'intérieur, on a deux paramètres, la destination et le contrôleur, donc à lancer, la fonction, donc. Voilà, dans le projet d'hier, on avait fait donc ça, simplement. Donc là, on avait un petit peu abrégé le truc, quoi. C'est à telle destination, on avait mis le contrôleur déjà à l'intérieur. Là, ce qu'on fait, c'est un petit peu la même chose. On a la destination ici, et là, c'est un contrôleur, mais qu'on va mettre sous forme de variable. Là, on va mettre, par exemple, send, JSON. Mais ça, ce sera une variable qui correspond à la fonction. En fait, on va juste tout encapsuler, c'est tout. Parce que quand on va faire des backends plus tard, ce sera des trucs plus complexes avec des dizaines d'API. Après, les contrôleurs, ça peut vite faire 20-30 lignes. Donc si on a 20-30 lignes à chaque fois comme ça, ça va faire un fichier de 300 lignes. Donc c'est pour ça qu'on sépare bien les destinations, des contrôleurs, etc. Donc ici, on va dire que on va appeler ça API. Donc pour aller chercher tout ça, on devra aller à localhost 3000 API. Voilà, tac. Cette URL-là, ça correspondra à ce qu'on va mettre ici. Du coup, parce que là, on retrouve slash API. Et là, on retrouve slash tout court. Donc rien quoi, slash API.
D'ailleurs, on va directement mettre apprend listen. Donc pour lancer le serveur, là on va mettre le port, on va mettre 3000. Et là la fonction, on va mettre console log serveur listening. Voilà. Donc là, ça nous permet simplement de lancer le serveur tout simplement. Et là on définit le port, donc c'est ça. Hein. Localhost 2. Si on avait mis 5000 ici, ça aurait été localhost 5000. Mais bon, ça c'est pas très important. Mais en tout cas, voilà, on sait que notre serveur est au port 3000. Donc on met localhost 2.3000 et ensuite slash API. Ensuite slash bah ce qu'il y aura ici. C'est à partir de là qu'on va venir chercher nos API. On va changer juste ce qu'il y aura de ce côté-là en fait. Après ce slash-là. Donc router.get, tac. Et là, on va pas directement mettre la fonction. Comme on a dit, on va mettre un contrôleur. Pour l'instant, on n'en a pas. On va appeler ça send hello. Pour l'instant, ça vaut rien, ça n'existe pas. Mais on va mettre ça plus tard. Donc là, ce qu'on dit, c'est que quand on sera cette URL-là, on va exécuter la fonction de send hello. Et à l'intérieur, il pourrait y avoir, je sais pas. Bah, on peut faire un test en fait. Hein. On va mettre un truc pour tester. On va lui mettre console.log. Il faut qu'on lance ça. On n'a pas mis le script. On va mettre un fichier, faire un script start. On va mettre node mode. Donc ça, on va le faire qu'une seule fois. Ça va juste nous permettre de lancer le serveur. Run, start. Voilà. Le nom du script, controller.js. Là, il nous a bien envoyé ça. Le truc tourne. Donc ici, on a dit que là, ça correspondait à cette API-là. Donc cette fonction. Donc là, normalement, si on va ici, si on lance la page, là, regardez bien la console. Salut. Bon, vu qu'on renvoie rien au client, ils tournent en rond là, mais peu importe. On a bien eu notre réponse sur la console, c'est ce qu'on attendait ici. Donc, tout va bien, pour l'instant ça marche bien. Voilà, bah, on va laisser ça en attendant. Mais donc, on va créer ensuite d'autres API. En fait, on crée juste un autre, je pense. Mais on va en créer un particulier, c'est un... on va en créer un avec un paramètre du URL. Parce que là, en fait, on peut dire que voilà, quand on voit... donc localhost, tac, 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 slash API, slash... il nous renvoie celui-ci. Mais parfois, on va avoir des API qui vont dépendre d'un certain paramètre. En fait, dans l'URL, il y aura par exemple l'identifiant d'un utilisateur. Ou voilà, des choses dynamiques. Comme ça, on va pas te refaire une destination dynamique. On va juste dire que le contrôleur il va nous faire une opération et qu'il va nous renvoyer le résultat de l'opération. Par exemple, console log. Donc là, il prend un paramètre rec dans l'autre sens. Donc rec, c'est ce qui a été envoyé depuis le client. Et res, c'est ce qui va être envoyé. Pour faire simple. Mais on va voir à quoi ça correspond. Donc, const nombre égale rec.params.nombre. La console log, lb, plus 2, par exemple. Et donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que si ici on met par exemple 3, 32, ouais, oui, bon, d'accord, bah, par contre, parsing, 5, ok, donc pour détailler, qu'est-ce qu'on a fait ici? Là, on a donc notre URL, sauf qu'au lieu d'avoir simplement slash, on dit qu'on a slash et ensuite 2, donc ça veut dire qu'on attend un paramètre d'URL. En l'occurrence, on l'appelle nb, et donc ça fait que sur l'URL, on va pouvoir rajouter donc un terme ici, après le slash, on va pouvoir rajouter le fameux paramètre nb. Ici, nb, c'est 3. Ça aurait pu être 7, ça aurait pu être n'importe quoi en fait. Mais là, on va utiliser un nombre parce que voilà, c'est pour l'exemple. On rajoute le paramètre. Si on fait juste ça, là, ça correspond au premier API. On a juste un slash. Salut. Mais par contre, si on rajoute quelque chose d'après, là, ça correspond bien à ce modèle-là du URL. On a quelque chose après le slash. Donc là, en l'occurrence, le 5, c'est le paramètre NB. Et donc, la valeur de ce truc-là, du paramètre, on peut la récupérer ici en faisant rec.params. Le nom du paramètre. On a dit que c'était NB, donc .NB. Voilà, rec.params, ça contient le paramètre ici. Mais il faut qu'on aille le chercher avec le nom du paramètre. Voilà. Si on avait appelé ça id, ici on aurait dû mettre id, par exemple. Là on a appelé ça nb. Nb ici, c'est le 5. Ça correspond donc au 5. Mais vu que ça vient de l'URL par défaut, c'est une chaîne de caractères. Donc parse int pour transformer ça en entier. Et donc, nb ici, le nombre, quoi. Le nombre, c'est ce qu'on met ici, là. Ça correspond à ça, du coup. Si ici je mets 10, nombre, ça devient 10. Le paramètre là. Et donc, le contrôleur est défini simplement qu'on va afficher dans la console nombre, donc ce qu'on a en paramètre ici, là, plus 2, voilà, par exemple. Donc là, on devrait tomber sur slash API slash 10, 12, tout simplement, voilà. Donc, on va rester avec ces deux API assez simples. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas afficher ça dans la console. Là, c'était pour le test. On va vraiment renvoyer ça pour le front-end. Donc, ce qu'on va faire, c'est au lieu de console log salut, on va mettre, donc là, on reprend rec res. On va mettre res.json. Là, on va mettre message, par exemple. 2. Et là, on met salut. Voilà. Donc, ce que ça va faire, c'est qu'au lieu d'afficher salut dans la console, il va renvoyer au client un JSON qui contient une donnée message avec salut. En fait, quand on va récupérer ici sur le côté client, le résultat de notre requête, il contiendra ça, là. La requête Axios, ça contiendra ce truc-là. Donc, quand on va faire le résultat de la requête Axios, .data.message, on aura salut, ce qu'on a défini là.
Le salut, on va pouvoir le récupérer. Voilà. On va récupérer tout le JSON ici, en fait. Et ensuite, ici, là, bah, on peut faire la même chose ici. On va renvoyer au client celui qui a fait la requête. On va lui renvoyer quelque chose. On a dit que c'était une requête, un protocole GET, donc on va envoyer quelque chose. Donc là, c'est bien ce qu'on fait. On va lui renvoyer aussi un JSON. Et là, on peut appeler ça message aussi. Et là, ce sera nombre. Voilà. On va dire ici que c'est égal à... Bah, enfin, c'est nombre plus 2. Donc, pour résumer, donc ça, du coup, on peut l'enlever. Cousin variable. Ouais, putain. On s'en fout. On met résultat égal nombre. On va mettre x2. Voilà. Donc, pour résumer, quand on va à cette adresse-là, on a juste... juste là, à payer. Quand on va ici, donc ça correspond à l'URL de base. Donc c'est ce qui est défini ici. Slash API, on arrive là. Slash, donc slash API toujours. Donc ici, ça nous renvoie donc le JSON message salut. On retrouve bien ici. Et donc ça, on va le récupérer sur React. Et on pourra dire que à ce qui correspond à la clé message, enfin, tout ce JSON là, point message, ça vaudra donc la chaîne de caractères salut ici. Donc on va pouvoir le récupérer sur React. Et ça, c'est pratique. Bon, voilà, c'est juste ça. Donc, l'API, le premier API là, slash, donc juste l'URL du backend qui est pour l'instant localhost, slash API, ça nous renvoie ça, ce JSON, message salut. Bon, ensuite le deuxième API, il faudra qu'on fasse donc ensuite slash avec un autre nombre qui pourra au hasard être entré par l'utilisateur, 25. Et donc là, ça va nous renvoyer ici, voilà. Donc là, il va nous renvoyer un JSON avec le, enfin ce qu'on a mis ici, quoi, le nombre 2, tout simplement. Et donc, maintenant, comme on l'a dit, on va servir du fichier contrôleur. Donc ça, on va l'encapsuler. Enfin, on va le dégager, en fait. Donc là, normalement, on n'a rien à importer. Par contre, ouais, donc, module.export égale... je ne sais plus trop de la syntaxe. .export. C'est pour pouvoir l'importer, en fait, dans le fichier root. Contrôleur.export. Ouais, ok. Module.export. Le nom du contrôleur. Ici, on va dire que c'est hello. Égale. Et là, on remet notre fonction. Voilà. Et ensuite, pareil avec l'autre. On va récupérer ça. On va mettre module.export multiply égal. Voilà. Là, on a notre deuxième contrôleur. Donc, pour importer ça, on a ici const contrôleur égal machin. Et donc, ici, contrôleur, c'est un objet qui contient nos deux fonctions, module.export. Enfin, cette syntaxe permet qu'on ait ici dans contrôleur, ça, il va aller chercher ce qui est exporté dans tout ce dossier contrôle.js. Qu'est-ce que ça exporte? Bah là, on a dit que ça exportait non seulement une fonction hello, celle-là, mais en plus de ça, une autre fonction multiply, celle-là. Donc en fait, ici, contrôleur, c'est un objet qui contient ces deux fonctions. Ici, destination. On va appeler ça. Si on veut prendre cette fonction-là précisément, ici, on va mettre donc contrôleur. Donc notre objet, là, de fonction. On va aller la chercher. Point. Hello. Voilà. Et ensuite, ici, pareil. Contrôleurs. Point. Multiply. Bon, on va mettre multiplier. On s'en fiche un peu. Multiplier. Voilà. Voilà. Et donc, ici, on a bien au slash, enfin, l'URL de base, donc celui-là. On a bien, donc, notre API hello. Si on fait CTRL-CLIC dessus, il nous renvoie bien ici. CTRL-CLIC, petit raccourci, il nous renvoie bien sur cette fonction-là. On est bon. Et ensuite, on va tester le deuxième API. Là, slash, par exemple, 56. 56 fois 2, 112. Je savais pas. Tac, CTRL-CLIC, multiplié, il nous renvoie bien ici. Donc, tout est bien relié. On est bon. Maintenant, on est en JavaScript, on peut utiliser un petit raccourci. C'est la syntaxe de déconstruction, genre des traductions bizarres. Mais en gros, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'au lieu de mettre contrôleurs et la contrôleurs.hello pour multiplier, on va pouvoir simplement déconstruire l'objet en mettant ici hello et là, multiplier. Ça raccourcit comme ça, on n'a plus besoin de mettre contrôleur ici. Et là, normalement, ça fonctionne tout aussi bien. Voilà. Donc, en fait, ce que ça fait, c'est qu'il va voir, donc, dans contrôleur.js, ce qui est exporté. C'est toujours, donc, notre objet de deux fonctions. Et donc, on récupère ici ces deux fonctions-là. Et donc, on a simplement maintenant deux variables, hello et multiplié, qui sont deux fonctions. Donc, ça revient même, simplement, ça nous évite d'avoir à réécrire contrôleurs, etc. On va récupérer directement dans contrôleurs les fonctions qu'il y a. Voilà. Ça permet d'aller plus vite. Voilà. Donc, on en a fini, donc, avec nos API. Bah voilà, on a fini avec le backend. Maintenant, on va pouvoir attaquer le frontend avec React. Donc, pour ça, on va ouvrir un nouveau terminal. On va utiliser une dépendance qui s'appelle VJS. Parce que avant, on faisait
NPM, non, c'était quoi? NPX, Create React App. Déjà, ça prenait trois plombes. Et en plus de ça, on avait plein de fichiers inutiles, là. Fichiers tests, fichiers bizarres. On devait déjà prendre le temps de attendre que ça charge, ça prenait plus d'une minute. Et ensuite, tu promets tout, enfin, c'était trop long. Là, VJS, ça va aller beaucoup plus vite. Regardez ça. Donc, VJS, que je trouve là, juste la commande, là. Voilà. Donc là, on est sur PNPM. Mais NPM, c'est pareil. Donc, on va venir exécuter ça ici. Par contre, j'ai pas mis le nom de l'application. Le nom du projet, on va appeler ça client. Qu'est-ce que je me demande? Le framework React. On descend avec les flèches. On est en JavaScript simple. Et voilà. Et c'est déjà fini. C'est déjà fini. Est-ce qu'on a eu à attendre? Même pas. C'est déjà fini. Oh, ça cessera jamais de m'impressionner. C'est incroyable. Donc là, on va pouvoir le lancer, du coup. On va aller donc dans Client, notre application React. Et on va mettre donc PNPM, Start. Quoi comme commande ici? C'est. Ouais, Dev. On va mettre PNPM, Run, Dev. Ok. Là, ça va le lancer. Il faut qu'on installe avant une dépendance, je pense. Là, si on n'a pas notre module, je pense qu'il va nous prendre la tête. Bon, c'est pas grave, on va juste installer Axios, parce qu'on va s'en servir de toute façon. Donc, PNPM i Axios. Voilà, maintenant il a son autre module, il va plus nous prendre la tête. PNPM, run, dev. Tac, localhost. Et là, c'est lancé. Ok. C'est plus propre qu'avant, hein, vraiment. Donc, maintenant, du coup, on va pouvoir s'occuper donc du côté client. Notre application principale source, ok, ça dedans app.js, ok, c'est ce qui nous intéresse. Donc ça, tout ça, on peut l'enlever ici. On va voir, yo, ok, on est bien là. Donc ce qu'on va mettre ici, il nous a déjà installé useState, parfait ça. Alors, en plus de ça, il veut nous mettre useEffect, bah qu'il importe par contre. Ok, là on va mettre notre fonction. Du coup là, useState, ça va être donc une variable. La variable, c'est count, en fait. Qu'on va pouvoir modifier à l'aide de la fonction setCount. On va voir donc plus tard comment ça va s'opérer, tout ça. Mais en gros, count, ici, c'est une variable qui va être affichée sur la page. Et à chaque fois que cette variable va être modifiée, ce sera modifié directement sur la page. On n'aura pas à rafraîchir quoi que ce soit. Ça va se faire tout seul. En une fraction de seconde, ça sera très rapide. Et useEffect, ici, ça nous permet d'exécuter ce qu'on va mettre ici, là, entre ces deux crochets-là. Ce sera effectué, ce sera donc exécuté une fois que le composant sera chargé. Enfin bref, ce sera exécuté une fois que la page sera chargée en gros. Donc ici, on va créer une fonction. Bon, on va appeler nos deux API. Ouais. Non, on va appeler l'API de base. L'API hello. Donc const, on va mettre fetch. Hello. Bon, fetch en anglais, ça veut dire aller chercher. Donc il va chercher API quoi. Tac. Donc, c'est une fonction asynchrone. Et cette fonction, ce qu'elle va faire, c'est que elle va nous récupérer donc le résultat de la requête. Donc, on va dire const message égal le résultat de la requête axios.get. Ici, on met l'URL auquel, enfin, l'URL de l'API. Donc, ici, c'était tac, tac, c'était ça. Voilà. On copie, on colle. Chaîne de caractères, voilà. Donc ça, on va prendre l'API de base ici. Donc ça nous renvoie bien. Mais ça, salut, voilà. Ici, await, parce qu'il va devoir attendre de récupérer l'API. En fait, on va mettre ça comme ça. Voilà. C'est data. Enfin, c'est la manière dont est fait la requête Axios, mais en gros, c'est ça. À partir de la ligne 9, on a data, une variable data, qui contient le temps qu'il aille chercher l'API, qui contient bah ça, voilà. À partir de la ligne 10, data, c'est ça. Ok. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est ici, le state, on va l'appeler message. Là, set message. Par défaut, c'est chaîne de caractère vide. Ici, on va mettre, donc, on va modifier message. Set message. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on met? Data. Message. Et donc ça, normalement, c'est
Salut. OK. Et donc là, on va devoir mettre, on va afficher sur la page donc, message, qui est donc le state, qui va contenir salut. On va voir comment ça se passe. On n'a rien. Ah ouais, d'accord. C'est tout le temps comme ça. Ah, pff, alors là, erreur de débutant. J'aime pas appeler la fonction. Ouais, bah d'accord. Fetch, hello. Ah, incroyable. Ça. Bon, on est parti. Allez. Ça n'a pas besoin. Et ça, bah, ça, il faut peut-être la refermer. Voilà. Et on l'appelle ensuite. Ouais. Bon, là, ça va marcher. Je vais prendre ma faire. Ça marche toujours pas. Bon. Ce qu'on va faire. Console log. Data. On va voir. Parce qu'on a un problème. Ici, donc, la console. Tac. Access is not defined. Mais oui, mais il l'a pas emporté aussi. Oh, importe. Bon, bref, on va faire ça manuellement. Importe. On s'appelle Axios. From. On s'appelle comment Axios. Voilà. Et là. Axios. Network error. Non. Oh, ça, c'est trop chiant, ça. Bon. Il se trouve que le monde du web est bien fait. Donc, les API sont sécurisées. Ouais. C'est-à-dire que là, on a notre back-end qui doit envoyer une information au front-end. Sauf que le navigateur me dit oui, sauf que moi j'ai pas l'autorisation, je reçois pas le résultat de la requête. Le salut là, on le reçoit pas. Bon, bah, c'est pas grave. On va devoir installer un truc qui s'appelle Course. Ça permet donc de autoriser certaines URL. On va autoriser donc l'URL du client à avoir accès aux API. Donc ce bout de code là, il va falloir le copier, le recopier là. Ça fait chier, hein, mais il n'y a pas le choix. Donc là, c'était les routes. Et ça, c'est... Bah, pour lancer le serveur. Et ça, c'est... Bah, ça, c'est les routes aussi. Mais normalement, on fait tous les imports au tout début. Mais moi, j'aime bien tout mettre au même endroit. Donc, tout ce qui concerne les routes se trouve ici. Même si normalement, on importe tout au début. Donc, avec ça, il faut également, du coup, qu'on importe Corse. On va aller, donc, dans le serveur. NPM i course et ça va nous permettre en fait ici dans origine de définir donc les URL qui auront accès aux API, à nos API, aux API qu'on vient de faire. On va autoriser donc ceci, localhost, voilà. On va l'autoriser, on va mettre ça donc là-dedans. Il faut bien qu'on enlève le slash à la fin, voilà. Parce qu'en fait là il nous dit machin, accès à localhost, ça c'est l'URL de l'API, c'est ce qu'on voulait ça. L'accès à cette API par le client a été bloqué par la politique Corse. C'est Corse qui arrive avec ses gros bras, qui a dit le client là n'a pas accès à cette API. Il n'est pas autorisé, il n'est pas sur la liste blanche. Donc, tac tac tac, bah là on dit simplement qu'il n'y a pas d'URL, on n'a pas défini d'URL autorisé. Il n'y a pas de liste blanche en gros. Bah là c'est normal vu qu'on n'avait pas du tout Corse sur l'application. Là on a rajouté et en l'occurrence, dans origine, la liste blanche, on a rajouté l'URL du client. Donc là, normalement, Corse, le vigile, va se dire, ah, tac, 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 il a appelé un API, attends, attends, mon petit, est-ce que tu veux autoriser? Là, il va voir, tu es qui, toi? Localhost 5673, il va regarder, oh, le back-end, là, t'autorises qui, toi? Tac, liste blanche, oh, il est bien sur la liste blanche, on envoie le message. Voilà. J'espère que vous avez apprécié la métaphore. On retourne. Donc là, ça remarche. Et là, pareil, ça fonctionne. Donc, il faut qu'on lance ça maintenant. Bon, il faut peut-être qu'on relance tout, en fait. Hein. Parfois, quand on fait une modification avec Curse, etc. Dans le doute, on va tout relancer. PNPM, run start. On va relancer le backend. Et on va relancer aussi, on va tout relancer. PNPM, run dev, on va relancer le frontend. Ouais. Right. Et tac. Putain. Donc... Là, enfin, on retrouve donc message. Vous l'avez console? Ah ok. Donc là, on a autorisé avec Corse. On retrouve bien donc salut. Voilà, tout simplement. Donc pour détailler, hein, on avait quoi ici? Data. Oui, donc data, c'est du coup l'objet. C'est ça quoi.
Et voilà, quoi. Après, on a juste à mettre ça ensuite dans Message. Et une fois que Message, du coup, est bel et bien mis à jour, en fait, le composant se charge. En l'occurrence, il n'y a rien dedans, mais il se charge. Une fois qu'il est chargé, oh, il exécute ce qu'il y a dans l'useEffect. Ce qu'on a dedans, c'est qu'on déclare une variable qu'on exécute ensuite, donc on va directement dire ça. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire sa requête Axios, le résultat de la requête, qui est un objet avec plein de trucs. Ça va aller dans une variable, mais on va récupérer que ce qui nous intéresse. Il n'y a que data qui nous intéresse. Bah, c'est là où on a le JSON, en fait, ce qu'on a renvoyé. Ce qu'on a renvoyé ici. Donc, ça, là. Ça, c'est dans data. Enfin, ça, c'est data, en fait. Enfin, ce sera data. Voilà, donc on va récupérer que data. Pareil, avec la même syntaxe, hein, déstructuré, machin, ça. La même syntaxe qu'on retrouve ici. Mais, voilà. Ici. Non, je vais montrer quand même, parce que... const, on va appeler ça rest. Rest, c'est tout le résultat de la requête Axios. OK. On va mettre console.log rest. Et là, const... message égale rest.data. On va faire ça comme ça. Ça, c'est le résultat de la requête Axios. On voit qu'il y a plein de trucs, mais il y a un truc qui nous intéresse, c'est data. Data, là-dedans, il y a quoi? Il y a un objet, si tu veux bien l'ouvrir. Attends, il ouvre en dessous. On cherche là-dedans. Data. À l'intérieur, on a bien ce que l'API essentielle renvoie. Il n'y a que ça qui nous intéresse. Donc, on va à l'essentiel, au lieu de mettre ce machin truc, on met juste data. Comme ça, il va juste nous récupérer ça, là. Et donc là, on a une variable data qui contient l'objet qui est censé être envoyé, donc, comme prévu, par l'API, ici, là. Rest.json, c'est ce qui est renvoyé au côté client. Donc, ici, là, on a une variable data qui contient le JSON renvoyé, avec, donc, message salut. Voilà. Donc, ça, on n'en a même pas besoin. On va simplement aller chercher ici, data.message, voilà. Dans data, du coup, qui est notre JSON ici, on va récupérer message, voilà. Et donc, message, ensuite, on le met dans... Bah, j'ai mis le même nom, mais on le met dans le state message qu'on affiche sur la page, donc qui se met à jour tout seul. Et donc, voilà. Donc, au début, normalement, il n'y a rien. Voilà. Mais au bout d'une seconde, il apparaît. Voilà, c'est le temps qu'il effectue tout ça, en fait. On peut faire la deuxième partie, donc. On va créer un formulaire. Ce que l'utilisateur a saisi dans le formulaire, au moment où il va soumettre, on va effectuer une requête API. Sauf que cette fois-ci, dans la requête Axios, on aura une URL comme ça, plus... ce que l'utilisateur a saisi, qu'on va mettre dans un state également. Et donc, on aura une URL dynamique. On retrouvera donc, par exemple, 56 à la fin. Ou s'il a tapé 37, on aura 37. Et donc, on pourra avoir un API personnalisé, en fait. Bah, c'est un exemple tout bête, hein, mais voilà, on peut faire ça. Donc, message, on va dire que ça, c'est un H1. On va foutre ça là-dedans. Voilà. En dessous, on va créer form. Action, on n'en a pas besoin. On va servir de onSubmit, récupérer E, et là, on va effectuer, enfin, on va exécuter une fonction qu'on va créer maintenant. Enfin, d'abord, on va finir l'HTML. Donc, dans le formulaire, on a juste un input de type, number. Je crois que c'est name qui nous importe ici. On va mettre number, et voilà. Pour l'instant, c'est tout. Tu retournes ici. Bah là, elle est crachée parce qu'on a mis ça. Voilà. Il faut qu'on crée un bouton submit, du coup. Value, bah... multiplie par 2. C'est super moche. On va pas prendre le temps de faire du CSS, là. On n'a pas le temps. Mais voilà. Dès que l'utilisateur va appuyer sur ce bouton-là, on va exécuter la fonction. Ici, une submit. On récupère E. E, c'est un objet qui contient... le nom saisi par l'utilisateur. Donc, on va exécuter la fonction qu'on va créer. Fonction qu'on va appeler getResult, par exemple. Égale fonction asynchrone. Donc, dans cette fonction, enfin, ça, c'est tout con, c'est comme on a fait au-dessus. await.tac. Sauf que là, à la suite de l'URL, on va mettre, donc, je crois que c'est target.number. Il me semble. Number. Je sais même plus. Point value peut-être. Point value, je crois que c'est ça. Donc ça, c'est le nombre là. Si l'utilisateur ici a mis, imaginons 37, ça c'est censé être 37. E.target, machin, c'est censé être 37. Ben là, il faut qu'il le récupère le E du coup qu'on a envoyé.
ici. On va mettre. Donc, là, il pète un câble. Hein. Là, c'est la crise. Tac, ici, on va mettre. 7 messages, data.message. On avait appelé ça message aussi. Je me souviens plus. Message, ouais, ok, bah voilà. Donc, ici, ce qui se passe, bah, je me souviens plus, c'est exactement ça pour récupérer le 37, là. C'est comme ça. Ça, cette ligne-là, ligne 17, c'est juste pour l'empêcher de rafraîchir la page. Parce que par défaut, l'HTML veut que dès qu'on soumet un formulaire, d'abord il rafraîchit la page. Parce que normalement, il y a du PHP derrière, là, on s'en fiche. On n'a pas de ça. Voilà. Donc ça, ça correspond au premier input. Donc l'input number, hein, c'est juste ça. On va laisser ça, on s'en fiche. Tac. Bon, ok. Donc 17, on va essayer. Là, tu perds ça. Target, 0. Value, 17. Bah, c'est une chaîne de caractères, par contre. Oui, bah, de toute façon, c'est. De toute façon, dans le contrôleur, on faisait parse int pour le transformer en entier, donc peu importe. Voilà, donc ça, c'est 17. Ça, c'est 17, comme ça. Data, ça va contenir ça. Ça, c'est data. Ça. Et donc, dans message, on met juste le 34. Donc, normalement, sur la page, on est censé voir, à la page de salut, on est censé voir 34. Maintenant, on voit pas 34. Ça me dérange un petit peu. Tac, 404. Ah, mais j'ai oublié de mettre API. Ah, bah, d'accord. On va faire simple. On va rajouter un deuxième state. Const result. Set result. Voilà, useState. Par défaut, c'est rien. Une chaîne de caractères vide. Et donc là, au lieu de set message, c'est set result. Bah, ça sera mieux comme ça. Donc là, on met 72 x 2. Bah, on l'affiche pas encore sur la page. Et on va l'afficher en dessous peut-être. En dessous de salut. H2. Et là, ce sera result. Comme ça. Si je l'écris bien. Result. Voilà. Là, on va mettre 14. Multiplié par 2. 28. Enfin. Donc, pour résumer, dans notre backend, qu'est-ce qu'on a? On importe express tout ça. Corse, on autorise le client à avoir accès aux API. Ensuite, on dit que là, à slash API, on a telle destination. Là, on lance le truc, tac. On va aller voir ce qu'on a dans route. Dans route, on a deux API. On a slash, donc slash API. Et ensuite, slash API slash avec un paramètre. Voilà, paramètre qu'on a appelé NB. On va récupérer ça donc pour le contrôleur. On va aller voir donc les contrôleurs, à quoi ressemble. Voilà, hello. Il renvoie juste au client un JSON, celui-ci, message salut. Et ensuite, pour le deuxième API, il récupère d'abord le paramètre NB, il le multiplie par 2, et ensuite il renvoie ça au client. Message avec le nombre qui a été mis en paramètre, multiplié par 2. Voilà, c'est un exemple. Hein. Ensuite, donc, on arrive sur les front-end. Là, on a donc deux states, message et result, qui sont affichés sur la page avec un formulaire. Enfin, ça, c'est tout ce qu'on a. Du coup, les deux states au départ sont vides. Donc, au départ, la page est à peu près vide. On a juste le formulaire, voilà. Maintenant, dès que la page est chargée, on va effectuer la fonction fetch hello, qui consiste à aller chercher, donc, effectuer la requête API, donc la requête API de base, qui renvoie juste le message salut. L'API, enfin le JSON avec message salut. Et donc, ça, on le met dans message. Donc, c'est affiché sur la page ensuite. Salut, voilà, le résultat est affiché sur la page. Ça, c'était pour l'API de base. Maintenant, l'API dynamique. On va appeler ça comme ça. Donc là, c'est quand on va soumettre le formulaire, on va récupérer donc la valeur saisie par l'utilisateur. Elle va être ajoutée à la suite de l'URL pour l'API, ce qui va donc correspondre au paramètre, le 2.nb, ce sera ça. Et donc, ça correspond plus au même API, du coup. Là, c'était l'API de base, message salut. Et ça, c'est l'API, c'est un autre API, donc, qui correspond à une autre destination. C'est un autre modèle d'URL. On a quelque chose après. Et cet API-là, donc, il fait l'opération, etc. Et ensuite, on affiche ça, result. Donc, on affiche ça ici, là, dans le H2. Voilà, du coup, on peut mettre ça. Mettre 50. 50 x 2, combien ça fait? Ça fait 100. Incroyable. Attendez, c'est moi, j'ai appuyé sur un bouton qu'il fallait pas. Là. Ah oui. Ouais. Bah, c'est l'heure de manger, là, de toute façon.